Et salut à toi, routier passionné. Bon, tu vois, on est tranquille, deux voies, petite polo qui passe. Pff, pas de surprise. Ah ben si. Tu connais le fameux je dépasse pour freiner? Donc là, c'est exactement ce qu'on ressent tous, je pense, au volant. Pourquoi tu me doubles si c'est pour freiner? Regarde à la vitesse à laquelle je reviens sur elle. Pourquoi tu fais ça? Alors, je pense qu'il faut leur rappeler un cours de physique assez réaliste et scientifique. Une tonne, moins 44. Donc, à un moment donné, et là, toujours la polo, j'ai jamais pu la passer. Mon copain de chez Rouquet, il est certainement vide parce qu'avec son DAF 1940, il me passe facile. Coup de clignot pendant 10 minutes, on est copain, c'est la route. Là, zone de dépassement, il a cette fameuse polo toujours devant le pif. Il la déboîte. Je te le donne, Émile, qu'est-ce qui se passe? Elle accélère. Juste, non, je n'ai pas laissé passer le premier, je ne laisserai pas passer le second. Et moi, j'étais au volant. Allez, bouffe-le, bouffe-le! Asni, sinon, va sur l'autoroute, je vais te la faire exploser, ta polo! Et là, je me suis dit, j'y fais appel de phare pour qu'il se... Il la coupe en deux, la polo. Bon, j'ai pas été pute. J'y fais appel de phare. Maintenant, il se rabat et regarde. Il me refait les clignots. Ah, tu vois, j'ai trop kiffé, je suis sûr qu'il a kiffé. Si jamais quelqu'un le reconnaît, ou si toi tu te reconnais, le rouquet avec le vieux DAF, salut à toi, routier passionné, quelle régalade, et surtout, bonne roulade!